Bienvenue. Je m'appelle Ella Mazarfani. Je suis secrétaire à la chancellerie diplomatique à l'ambassade de France à Dakar, au Sénégal. Donc j'ai en charge le secrétariat du premier conseiller, deuxième conseiller et premier secrétaire. Alors on est dans le couloir de la chancellerie et mon bureau est juste ici. Voici donc mon environnement de travail. J'ai mon petit tableau en liège juste derrière moi où il y a des informations importantes qui me servent au quotidien. Donc le bureau de l'ambassadeur se trouve derrière cette porte et le bureau du numéro 2 ici. Et voilà la fameuse vue de mon bureau. Donc magnifique. J'avais une vision vraiment très très restreinte de ce que pouvait faire le ministère des Affaires étrangères et de ses actions aussi. C'est vraiment en mettant un pied dans ce ministère que j'ai pu connaître et découvrir la variété des métiers, des missions et actions au sein de ce ministère. Je fais partie de la première promo issue du pacte qui était le ministère pionnier en matière de recrutement de ce nouveau dispositif. C'est quand même un recrutement très sélectif. Bien qu'on soit recruté, on a encore donc un an de stage et de formation. Au final, seuls 6 à 8 agents sont recrutés, voire même titularisés. Alors mon objet du quotidien est mon smartphone qui me permet d'être toujours disponible et surtout de garder contact avec ma famille qui me manque à Paris. C'est précieux. Oui. Mon moment préféré est quand j'arrive au bureau. Je m'installe, j'ouvre la fenêtre, j'ai le droit à cette magnifique vue et je prends le temps de la regarder et c'est mon petit moment de la journée, le seul moment quasi calme car sur un poste de secrétariat, on a beaucoup d'appels téléphoniques, on a beaucoup de visites, donc on devient limite une hôtesse en plein hall de gare, vous pourrez dire. Donc j'apprécie énormément ce moment et je le savoure.